Europe 1, il est 9h18, Patrick Cohen. Avec Cannes à présent, générique de Cannes. Mais non, ça c'est Michael Hirsch qu'on va retrouver tout à l'heure, la lettre ou une palette. Cannes, s'il vous plaît. Europe 1, le journal du festival. Ah ben dites donc, à la troisième tentative, ça marche, Mathieu Charrier, vous êtes là? Je suis là, donc de retour. Le sommaire, le générique, c'est d'abord le dernier film français en compétition présenté hier soir. Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez, quatrième et dernier film français à concourir pour la Palme d'Or. Il est porté par Vanessa Paradis que nous avons rencontré. Le jury qui va donc maintenant devoir trancher, la remise des prix c'est demain soir. Chose rare, l'un de ses membres, Robert Guédiguian, a accepté de nous parler. Cette fois c'est bon, le Don Quichotte de Terry Gilliam va pouvoir être diffusé en clôture. Nous entendrons le réalisateur et son acteur, Adam Driver, soulagé. Et puis les indiscrétions, Fabien Antoniente vient de commencer le tournage de son nouveau film avec notamment Franck Dubosc, Josiane Balasco et Thierry Lhermitte. Je pensais pas que c'était possible d'aimer autant, aussi longtemps. Tu dois m'aimer. Tiens-moi, Louis. À moi. C'est donc Vanessa Paradis qu'on entend qui a électrisé les festivaliers hier soir. Pour le dernier film français présenté en compétition, son titre Un couteau dans le cœur, il est signé Yann Gonzalez. Alors on est dans l'univers des films de série Z, ça se déroule à Paris, été 79. Anne, c'est Vanessa Paradis, est productrice de films porno gay, un peu cheap. Ah oui. Lorsque sa monteuse et compagne Loïs la quitte. En parallèle, il y a aussi un tueur qui s'attaque à ses acteurs, les assassinant avec un sexe en plastique dont sort une lame de couteau. Oui, oui, tout à fait, Patrick. Anne va donc devoir faire face. C'est la première fois que Vanessa Paradis est en compétition ici à Cannes, elle qui avait été jurée il y a 2 ans. C'est une femme amoureuse, déterminée, violente, alcoolique, désespérée parfois. C'est une guerrière aussi. C'est une guerrière, c'est même parfois un bulldozer. C'est son cœur qui la dirige. Il m'a donné des ailes pour jouer ce personnage. Et puis oui, d'avoir vécu le festival du jury de l'autre côté, voilà, de présenter un film, ça m'a... Je sais pas si je suis plus émue que mes camarades, mais oui, ça fait quelque chose de fort. C'est un rêve, Cannes. Et puis quand on a la chance d'y être, c'est fabuleux. Un couteau dans le cœur, signé Yann Gonzalez, qui a été applaudi hier soir. C'est donc le quatrième et dernier film français en lice pour la Palme d'Or. Je dois vous avouer que du côté de la presse internationale, nos 4 films ne font pas figure de favoris, mais tout est possible, nous verrons bien, le jury est souverain. Jury présidé par Kate Blanchett et qui aura donc vu 21 films pendant cette quinzaine. Dès demain matin, 9h, les délibérations vont commencer. Délibérations sous très haute sécurité et grand secret, on ne connaît même pas le lieu où ils vont se retrouver. Ce que je peux vous dire, c'est que les 9 jurés se sont vus tous les jours pendant le festival, alternant une réunion informelle, puis le lendemain une réunion formelle et ainsi de suite. Il y avait 3 traducteurs en permanence, un traducteur mandarin, un russe et un anglais. Objectif, échanger le plus possible, explique Robert Guédiguian qui fait partie de ce jury. On parle d'abord des films beaucoup, mais très longtemps, vraiment quoi. On étudie les films, on pourrait presque dire, hein. On étudie l'ensemble des films. Avec les points positifs, les points négatifs, voilà. L'émotion. Avec des points de vue très différents, même la construction, le truc, machin, la mise en scène, bon, etc. Évidemment, le scénario, c'est bon. Les enjeux, on problématise même, je veux dire, comme si on était à l'université. C'est des différences de points de vue quand même. Évidemment que par exemple, une noire américaine de Los Angeles ne lit pas un film de la même manière qu'un russe formé à la dramaturgie russe, etc. Voilà. Mais c'est des approches aussi justes l'une que l'autre, bien sûr, hein, mais c'est des approches radicalement différentes, vraiment quoi. Et nous verrons donc ce qu'il en ressort et nous découvrirons le palmarès demain soir entre 19h15 et 20h, cérémonie retransmise en clair sur Canal+. Et juste après cette remise des prix, notamment de la Palme d'Or, sera projeté enfin le film de Terry Gilliam, L'homme qui tua Don Quichotte. 27 ans que Terry Gilliam portait ce projet en lui, tournage avorté, d'abord avec Johnny Depp et Jean Rochefort, puis après de multiples rebondissements, le film a pu se faire l'an dernier avec Vincent Price et Adam Driver. Je l'ai vu avant de vous en parler, on écoute le soulagement de Terry Gilliam qui va enfin pouvoir montrer son film. Voilà. C'est une fin heureuse et peut-être le début d'un commencement. Il y a un mois, j'ai su que le film était enfin terminé. J'étais soulagé. Ensuite, Cannes s'est battu pour le diffuser. Je pense qu'il est plus riche, plus profond que la toute première version. Même si ça m'a pris longtemps pour oublier Jean Rochefort, pour le sortir de mon esprit. Il était tellement parfait dans ce rôle. Mais je pense que cette version est bien meilleure. Finalement, je suis un homme chanceux. Et Paolo Branco nous a fait une publicité incroyable. C'est fantastique. Voilà, Paolo Branco, vous avez sans doute suivi, c'est l'ancien producteur du film qui a d'abord tenté de faire interdire ses diffusions ici à Cannes. Le tribunal lui a donné tort. Il demande maintenant l'interdiction de sa sortie
en salle. La décision qui devait être rendue hier sera finalement pour aujourd'hui. On est très très heureux pour Terry Gilliam, l'homme qui a tué Don Quichotte, qui pourrait donc sortir dès demain dans les salles françaises. Vous l'avez vu Mathieu, ça donne quoi? Alors l'histoire en deux mots, parlons du fond. On suit Toby, un jeune réalisateur de publicité complètement désabusé, cynique, qui se retrouve confronté à un vieux cordonnier espagnol qui affirme être Don Quichotte. Il va partir dans une longue déambulation avec lui et en plus de cela, Toby était venu tourner étant jeune un film adapté de Cervantes dans ce petit village espagnol, ce qui a changé les rêves et les espoirs de ce village. L'homme qui tue Don Quichotte est franchement un film inégal, mais on est tellement content de le découvrir enfin. Et puis surtout, si vous aimez l'humour des Monty Python, vous serez servi. C'est le cas. Eh ben ça tombe bien. Vos indiscrétions Mathieu, rapidement. Fabien Antoniente, réalisateur notamment des campings, vient de commencer le tournage de son nouveau film All Inclusive, qui raconte l'histoire de Paul, célibataire en voyage dans les Caraïbes et qui rencontre Michel, François-Xavier Demaison. Paul c'était Franck Dubosc, évidemment les deux vont devoir cohabiter. Et puis savez-vous combien coûte la Palme d'Or qui sera remise demain soir? 20 000 euros, rien que ça. Bah, très bien. Merci beaucoup Mathieu Charrier de nous avoir accompagnés pendant toute cette quinzaine avec Théo Manval à vos côtés pour le reportage et Laurent Pellet pour la technique. Europe 1.